stream. Est-ce que c'est en live? Tu vas bien? Ça va. Bonjour. 1, 2. Un, deux. Allô? 1, 2. Bon, ça a l'air d'aller. Ok. Ouais, si tu veux.
quand tu veux. Bon, eh bien, bonjour à tous, bienvenue à la Pay Hour 36. Donc, je vais vous présenter d'abord un peu ce qu'est Clermont Tech et puis on verra aussi après le menu du jour de la Pay Hour. Donc, le manifeste de Clermont Tech, c'est tout d'abord centré autour du partage. Donc, le partage de connaissances, le fait de discuter, de rencontrer de nouvelles personnes et puis de pouvoir échanger. C'est pourquoi les événements sont toujours limités à peu près à 50 places, hein, toujours pour que après, a posteriori, vous puissiez discuter entre vous. Donc Clermont Tech est aussi, enfin, a comme valeur l'ouverture, donc on est techno-agnostique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, on n'a pas de technologie sur laquelle on est centré, on est ouvert sur tout. On a même eu des talks sur l'allaitement au travail, c'est dire. L'indépendance, c'est-à-dire que Clermont Tech ne se fait pas dicter sa ligne éditoriale, même par les sponsors. Il n'y a vraiment personne qui dit de quoi on doit parler. Et le respect. Donc le respect, bon bah le respect entre nous, le respect du speaker envers les participants en préparant bien son talk, en le révisant, etc., en le préparant. Et le respect aussi des participants envers le speaker en l'écoutant, en ne le critiquant pas, en ne cherchant pas à lui poser des questions qui le rabaissent ou essayer de trouver des points faibles. Donc la Pay Hour. Aujourd'hui, on a 4 talks. Donc 1h30 maximum. On a à peu près 1 heure de talk. Donc comme je l'ai dit, 50 personnes maximum pour permettre des échanges. Lieu et jour variable pour permettre que si vous avez piscine le mardi, vous puissiez venir quand même. Les vidéos sont en ligne. Donc on a un stream YouTube. Vous pouvez commenter dessus, partager. Au niveau de la fréquence, on est à peu près à toutes les 6 à 8 semaines la Pay Hour. Dernièrement, c'est plus, enfin, cette année, c'était plus autour de 6 semaines. Et du coup, on va commencer la Pay Hour. Donc, on a un ambassadeur. Bon, aujourd'hui, c'est moi. Donc, si vous avez des questions sur Clermont Tech, sur les API Hour, si vous êtes curieux de venir parler aux API Hour, vous pouvez venir me voir juste après. Puis, je suis exempté de rangement aussi. Donc si vous voulez parler, moi je vous incite, on vous incite tous à venir discuter et à venir proposer des talks. C'est grâce à vous que du coup qu'on peut proposer des API Hour. On a une wishlist si vous ne savez pas de quoi parler. Donc elle est accessible sur le site de Clermont Tech. Et du coup on offre aussi du mentoring, donc par nous et par d'autres speakers. Et Pascal Lafourcade ici juste à côté qui a fait déjà du mentoring. Donc vous serez, si vous savez de quoi parler, vous avez envie de parler de quelque chose, ou même si vous avez pas forcément, vous savez pas forcément de quoi parler, mais que vous avez envie de parler, essayez, et puis on vous mentorera, on vous aidera, ça vous permettra de développer vos capacités et votre éloquence. Donc le Clermont Tech Group, l'idée c'est qu'on regroupe tous les événements à peu près tech sur Clermont. Donc ça c'est sur le Planète. Donc planète.clermonttech.com, je sais pas où il est. Je connais pas les slides, c'est la première fois que je fais la présentation. Donc voilà nos sponsors, je vous laisse 2 secondes. C'est grâce à eux qu'on peut fonctionner. Et du coup, comme je disais, on a le planète.clermonttech.org. Ça regroupe tous les événements tech sur Clermont et les environs. Et le Platidex, donc c'est un repo GitHub sur lequel vous pouvez faire des pull requests pour ajouter du coup notre mascotte, mais personnalisée à vos goûts, il y en a déjà quelques-uns. Donc c'est sur GitHub. Et donc merci à la mairie de nous avoir prêté du coup le local ici aujourd'hui pour qu'on puisse faire notre API Hour. Donc le menu du jour. Alors tout d'abord on va parler de RGPD avec Pascal. Puis d'Ethereum, en l'occurrence d'anatomie d'un state channel sur Ethereum avec Sylvain qui est juste là, apprivoiser le debug en JavaScript avec Loïc Bourg et enfin observer un observable tout un subject avec Vincent Vermerge, donc ça avait parlé de ReactiveX. Donc la surprise qu'on devait annoncer aujourd'hui, c'est que du coup on a un atelier Docker qui aura lieu le 4 juillet au Bivouac. L'idée c'est qu'on aura 15 places qui seront ouvertes juste après la Pay Hour. Donc il y aura 2 groupes. Le premier, ça sera un groupe de découverte de Docker. Et le deuxième, du coup, ça sera plus sur l'orchestration de conteneurs. Et du coup, à la rentrée, on aura aussi un workshop Kubernetes. Donc si vous voulez découvrir ces technos-là, c'est gratuit. Vous pouvez venir du coup et vous inscrire juste après la Pay Hour.
Et ce sera le mercredi 4 juillet. Donc là, si vous voulez commenter, on a un hashtag sur Twitter. Donc HappyHour36 ou HappyHour. Et donc on n'a pas de Wizambly aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, bah, du coup, je cède la main à Pascal qui va présenter RGPD. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez, c'est bon? Parfait. Donc, je vais essayer de vous parler du RGPD. Donc, qui sait pas ce qu'est le RGPD? Très bien, donc parfait, tout le monde sait ce que c'est. Merci, on va passer à l'apéro. Non, je rigole. Donc, c'est l'API 6 au carré. Donc, ça, c'était juste parce que c'était cool de parler à l'API 36. Alors, un petit slide que j'ai mis pour vous rappeler qu'il y a des choses importantes dans la vie. Donc, je vous laisse lire la petite blague, hein, entre les deux petits cochons qui parlent. C'est génial, on ne nous demande même pas de payer le loyer de la porcherie. Oui, en plus, la nourriture est gratuite. Donc ça, c'est deux cochons qui parlent du modèle gratuit. Donc ça, je pense que ça vous fait bien rigoler. Mais derrière, si je vous mets ça, c'est la même chose en fait. Ouais, super, les réseaux sociaux, c'est gratuit. On n'a même pas à payer la location et mon compte, il est gratuit, on ne me demande rien. Donc c'est exactement la même chose. Si vous êtes gratuit, c'est qu'à la fin, c'est comme les deux petits cochons, c'est vous le produit. À la fin, c'est vous qu'on va saucissonner et mettre dans les petites merguez ou dans les petites saucisses pour la suite. Donc voilà ce qui va se passer, ce qui se passe déjà à l'heure actuelle, c'est que vous avez des gens qui vont collecter vos données personnelles. Donc ben, des grands groupes, hein, dont Google, Facebook, Amazon et encore plein d'autres, et qui après vont les revendre pour faire du business. Donc vous avez des marchands de données personnelles sur vos données de santé, sur vos préférences, sur le fait que vous aimez les chaussures bleues, violettes. Donc la question c'est qu'est-ce que vous voulez pour la sécurité de ces données-là? Donc il va falloir mettre en place le respect de la vie privée pour ces données. Et donc voilà, je vais vous parler de ce qui existait avant le 25 mai 2018 et je vais vous parler de ce qui existait et ce qui existera après le 25 mai 2018 en Europe. Donc avant, en France, on avait la chance d'être un pays où il y a la CNIL qui a été créée en 1978. Donc la CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui permettait de garantir certains droits et de mettre en place des lois qui permettent de garantir le respect de la vie privée pour les usagers. Donc c'était vraiment le but de protéger les données personnelles des gens. Pour information, l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en France, a été créée qu'en juillet 2009. Donc on voit bien qu'on s'est préoccupé bien avant du respect de la vie privée des données des utilisateurs. Alors la CNIL a poussé pour qu'il y ait des lois et en France, il y avait une loi sur les stades, donc pas les stades de foot en période de Coupe du Monde, non, sur les systèmes de traitement automatisé des données. En gros, c'est tout. Parce que je vous ai mis le texte de loi ici, et c'est vraiment tout, tout ce qui touche à l'ordinateur. Dès qu'il y a une unité logique qui peut réfléchir avec la mémoire, et donc comme c'est dit dans les termes de juriste, c'est dit de manière tellement floue que ça inclut tout ce qui est tablette, smartphone, montre connectée, dès qu'il y a un peu de technologie, ça a rentré là-dedans. Et donc la loi définissait plusieurs choses, trois acteurs, donc les utilisateurs de ces technologies, le responsable et le pirate. Et la loi permettait de dire, ben, si un pirate s'introduit sur un site, eh ben, on peut le condamner et lui donner des peines de prison, donc et des amendes. Donc pourquoi ce petit rappel? Parce que le RGPD est fortement inspiré de ce qu'on avait en France avant. La France a été très très participative dans l'élaboration du RGPD. Et donc le RGPD est rentré en vigueur le 25 mai 2018. Donc ça a dû changer beaucoup de choses pour vous, hein. Vous avez dû recevoir des tonnes de notifications, mettre à jour toutes vos applications, dire que vous donnez vos données ou pas à ces grands groupes de manière volontaire. Et pour moi, c'est une vraie révolution. Donc la révolution, c'est ça. Ça, c'est les accidents de voiture et c'était malheureux. Il y a plein de gens qui mouraient. Et les gouvernements, ils en ont eu marre. Au bout d'un moment, ils ont dit, il faut que ça cesse. Alors au début, les voitures, elles roulaient à 30 km/h, c'était pas très grave. Mais après, quand les voitures sont devenues plus performantes, il y a eu de vrais accidents et des morts. Et donc pour éviter les morts, on a essayé plein de choses. Et on a dit, ben voilà, les constructeurs ont déjà mis des ceintures de sécurité.
La ceinture de sécurité, c'était chouette, ça marchait bien. Ça a tué moins de monde. Très bien. Par contre, les gens ne la portaient pas. Et donc, au bout d'un moment, les gouvernements, ils en ont eu marre et ils ont dit, ben, OK, le port de la ceinture, ça va devenir obligatoire. Donc, voilà, 4 points, 135 euros d'amende si vous ne portez pas la ceinture. Donc, on rigole plus, c'est vraiment sérieux. Et ça a été efficace? Ben oui, très, regardez. Introduction de la ceinture de sécurité et l'obligation de la porter. On a vu qu'à chaque fois qu'il y a des choses qui sont devenues, ben, ça fait chuter le nombre de morts sur la route. Donc c'est vraiment une mesure efficace. Mais pour moi, le RGPD, c'est exactement la même chose. Rapport de vulnérabilité, ces dernières années, 2017, ça a encore explosé. On a battu tous les records. Et ben, avec le RGPD, j'espère que ça va baisser en fait. Parce que le RGPD va vous obliger à avoir des applications sécurisées qui soient respectueuses de la vie privée. Donc, que veut dire RGPD? Règlement général sur la protection des données, en anglais GDPR, General Data Protection Regulation. OK. Alors, premier point, qui est touché? Tout le monde. Tout le monde. Donc ça, c'est tous les gens qui travaillent, qui font du business avec, les sociétés de services, les grands groupes, les petits groupes, le boulanger du coin, les administrations, les associations, Clermont Tech. Tout le monde est touché par le RGPD. Personne ne sera épargné. Donc voilà. Qu'est-ce qui change? Ben, d'abord, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Donc, c'est une donnée qui permet de relier et d'arriver jusqu'à un individu. Et donc ça a été défini et ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ben, votre numéro de téléphone, votre email, votre pseudo, votre adresse IP. Une adresse IP, ça vous relie à une personne, donc c'est une donnée personnelle. Votre âge, votre sexe, votre ADN. Vos centres d'intérêt religieux, politiques, vos déplacements tous les jours, vos trajets. Il y a des sites comme Google qui tracent vos trajets tous les jours. Ben ça, c'est une donnée personnelle. Est-ce que vous la partagez ou pas? Vos finances, les photos, les vidéos, les Snapchat, tout ce que vous prenez dans la journée. Les groupes, vos amis sur Facebook, les gens avec qui vous discutez sur d'autres réseaux sociaux. Votre comportement. Dans quel site vous allez, sur quel site vous allez, ben tout ce qui est cookie qui trace votre comportement, c'est des données personnelles. Et enfin, tout ce qui touche à la santé. Votre dossier médical, c'est une donnée personnelle. Donc une fois qu'on a défini toutes ces données personnelles, il y a des données personnelles qui sont high level, sensibles. Donc c'est toutes celles qui touchent aux partis politiques, vos opinions politiques, à la religion, aux vos affiliations syndicales, à vos données personnelles médicales, à vos données ethniques et à vos données qui touchent à votre vie privée la plus intime, donc vos données liées à vos activités sexuelles. Voilà. Et bien, dans tous ces cas-là, à chaque fois qu'une donnée va toucher l'atteinte, la collecte du consentement préalable de l'utilisateur pour pouvoir les utiliser est obligatoire. Donc, si vous avez des données sensibles, il faut absolument qu'on vous demande votre intérêt et votre autorisation pour pouvoir les utiliser dans la suite. Alors, pourquoi le RGPD? Ben, pour plusieurs raisons. La première chose, ça va être pour pouvoir sanctionner. C'est une loi. Et donc, si les entreprises ne satisfont pas la loi, elles auront des amendes. Et on verra quel est le montant des sanctions. Plus de transparence. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez demander n'importe quelle entreprise, voilà, donnez-moi tout ce que vous avez sur moi. Donc, l'entreprise a 24 heures pour vous donner, ou 48 heures, je ne me rappelle plus exactement de la durée, vous donner toutes les données qu'il a sur vous. Donc il y en a qui ont pu le tester, mais Facebook, maintenant, ils ont mis un petit bouton sur votre compte et vous pouvez télécharger toutes les données qu'il a sur vous. Il y en a qui l'ont fait dans la salle, je crois que c'est 4 gigas, 5 gigas. C'est énorme. Et vous vous rappelez les conneries que vous avez mis en 2003, en 2004, et vous avez les photos que vous avez... c'est juste génial. Donc ouais, vous avez droit à tout récupérer. Donc les grands groupes l'ont déjà fait et ça marche. Vous avez droit à l'oubli. Donc vous pouvez demander à ce que certaines données soient effacées. Donc peut-être que si vous voyez des choses que vous avez mises sur des réseaux sociaux, vous pouvez dire eh, vous pouvez pas l'effacer, ça me plaît pas trop. Voilà. Le droit à l'oubli ou à la rectification, c'est surtout quand y a des vrais problèmes sur ce que vous avez pu faire quand vous étiez plus jeune. Voilà. Guichet unique, c'est une loi européenne, donc ça veut dire que si vous portez plainte contre une entreprise, la plainte va être valable dans toute l'Europe. Donc c'est-à-dire si l'entreprise elle est dans un autre pays européen, ben, vous n'avez pas besoin d'aller vous discuter avec les gens européens, vous pouvez juste porter plainte en France. Protection des mineurs renforcée, donc voilà. Et la portabilité. La portabilité, c'est génial, parce que vous pouvez exporter tout ça, toutes vos données personnelles, et du coup, vous pouvez aller chez un autre. Donc ça va pouvoir faciliter la concurrence. Opérateurs de téléphonie, réseaux sociaux, etc., etc.
Alors, le RGPD, quand on le met en place, comment on fait? Six étapes préconisées par la CNIL qui sont très très bien faites. Le premier, c'est désigner un chef qui va être responsable du RGPD dans l'entreprise. Le deuxième, c'est cartographier les données personnelles, où elles sont. Alors, on en a tous en fait. Dès qu'on a un employé, on a une donnée personnelle. Dès qu'on a des clients, on a des données personnelles. Donc, il faut cartographier. Qu'est-ce qu'on prend de ces données et où on les fait passer dans différentes entreprises, dans différents serveurs et comment on les stocke. Donc, ça, c'est cartographier. Après, mettre en place des mécanismes de priorité pour savoir comment on va sécuriser tout ça. Faire une analyse de risque et dire, ok, on n'est pas bon partout, mais on va essayer de s'améliorer. S'organiser. Et ce qui est le plus important, c'est se documenter. Documenter, c'est pas pour augmenter ses connaissances, mais de dire, tout ça, on a écrit un document. Parce que c'est comme le port de la ceinture, c'est de obligatoire. C'est-à-dire qu'un jour, ding ding, la CNIL va venir à votre porte et va venir vous dire, vous avez fait quoi pour le RGPD? Ah ben j'ai rien fait, c'est quoi? Ok, amende. Et donc là, elle sonne, elle prend tous vos serveurs et elle prend vos documents, elle regarde si vous êtes conforme et elle regarde ce que vous avez mis en place. Et donc c'est ça qui va vraiment changer, c'est que maintenant on va vous arrêter. Alors qu'avant, il fallait que vous fassiez une déclaration d'intention à la CNIL comme quoi tout se passait bien. Non, maintenant, c'est si vous ne le faites pas, sujet à des amendes. Alors les grands groupes, ils sont préparés, les boutons tout téléchargés sur les GAFA. C'est pour vraiment se prémunir de ça. Alors pourquoi, vous, en tant que développeur, vous pouvez dire à votre boss, hey, coucou, il faut faire quelque chose. Mais à cause de ça, en fait. La sanction, c'est ça, 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires. On prend le max, hein, c'est pas juste. Non. Voilà. Donc, il y en a qui ont fait les calculs, ça fait des belles sommes en euros. Donc, du coup, vous pouvez dire, ah ben, ça serait bien qu'il y ait une ou deux personnes à temps plein pour s'occuper du RGPD, parce que si la CNIL est sonne et qu'on n'a rien, ça va faire mal. Ça va faire très, très mal. Donc, ouais. Donc là, enfin, une loi où on a des moyens d'agir. Voilà. Alors, la CNIL recrute, s'il y en a qui sont intéressés, hein, parce qu'il va falloir aller contrôler tous ces gens-là. Donc, il y a du vrai boulot. Donc, voilà. Alors, ma conclusion, le RGPD, ça ne doit pas faire peur, ça doit justement vous rassurer parce que le but de le RGPD, c'est privacy by design, que la sécurité soit au cœur de toutes les applications dès la construction et qu'on n'atteigne pas d'avoir des trous, d'avoir des problèmes pour le signaler. Donc, dès le début, on va être capable de construire des applications sûres, sinon on aura des problèmes avec la loi. Merci pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions. Alors, pour le moment, tout ce qu'on demande, c'est la portabilité. Donc, ça va être que tu peux partir avec tes données. Et après, il faut que celui qui veut concurrencer Facebook, il a intérêt à prendre le format de sortie de Facebook pour importer les données. Et ça sera plus facile. Donc, je pense que il n'y a pas de normes, mais ça va vite émerger et on devrait se plier à la loi du plus fort, je pense. Je pense qu'ils ont embauché vraiment beaucoup ces 2 dernières années et je pense qu'ils vont vraiment se mettre à contrôler activement bientôt, quoi. Donc à mon avis, ils vont pas commencer par ClermontTech, hein. Parce que bon, ils vont être déçus, mais voilà. Mais par contre, je pense que les grands groupes et tous ceux qui manipulent de la donnée, en fait, il y a plein, voilà. Donc les banques. Les hôpitaux, etc., etc. Je pense que c'est les premiers qui vont être touchés, en fait. C'était le 25 mai 2018, donc j'ai pas de connaissance de contrôle à l'heure actuelle. Voilà, donc ça devrait pas tarder, mais ça va prendre un peu de temps, quoi. Parce que on va contrôler, on va dire si c'est bon, on va dire t'as une amende, t'as pas d'amende. Les gens vont peut-être dire, ah ben non, je suis pas d'accord, je conteste, parce que voilà, donc bon, dès que c'est des procédures judiciaires, mais c'est comme la ceinture de sécurité, hein. Quand tu veux un PV pour non-port de la ceinture de sécurité, tu peux contester, tu peux faire plein de choses, donc ça prend un peu de temps. Donc je pense que dans un an, on verra les premiers, et je pense que ça fera la une des journaux, hein. Vous serez vite au courant. Oui, ça concerne toutes les données personnelles, physiques ou pas physiques, donc en papier ou dématérialisé. Oui. L'ophtalmo, c'est sûr qu'il faut qu'elle en fasse.
Non, ceux qui en collectaient pas, non, mais par contre, il y en a plein qui en collectaient, login, password, et ben, du coup, il faudra le dire, qu'est-ce qu'ils font avec ton login et ton password. Ah oui. Si tu dis que si, il faudra qu'ils aient un document qui dise on garde rien. Hein. Mais il faudra qu'il y ait un document. Et que quand la CNIL va vérifier, ben effectivement, il n'y ait pas un proc ou un processus qui le mette dans un coin ou qui ait une base de données. Ou quoi. Ah ben ouais, on l'a bien vu quand Facebook il vous a demandé toute cette tonne de questions, est-ce que vous êtes prêt à donner vos publicités, est-ce que vous êtes prêt à donner vos données, tout ça. Si vous avez coché oui, vous leur donnez, ils peuvent l'utiliser à des fins commerciales en fait. Ben moi, je vous conseille de les lire et de cocher explicitement ce qu'il vous faut ou pas. Moi, j'en ai coché plein. Hein. Facebook, ils ont eu beau me dire, oui, vous savez, on vous enverra toujours le même nombre de mails de publicités, mais par contre, si vous acceptez, elles seront ciblées, donc ça sera mieux pour vous. Ouais, d'accord, mais non. Donc, c'était mon choix et je dis non. Paul? Non? Ok. Ben, c'est le droit à l'oubli et la rectification, donc tu peux à tout moment changer ce que tu as mis en place. Alors après, je sais pas comment c'est facile d'aller trouver le bouton magique, mais voilà, c'est possible. Merci. Avec plaisir. Test, test. Test, test. Bah, c'est parti. Bonjour. Tac. Donc, petite présentation rapide de qui je suis. Donc, je suis freelance. Je travaille, je fais de la recherche non académique pour. Contrairement aux gens qui sont des vrais chercheurs, faire de la recherche non académique, c'est faire des petits projets, jouer avec. Je fais ça depuis à peu près une vingtaine d'années, parce que j'ai commencé la programmation quand j'avais 6 ans, d'où le software polyglotte, où je parle aussi une vingtaine de langages différents. Enfin, j'écris une vingtaine de langages différents. Là, en ce moment, au niveau blockchain et ce genre de choses, je travaille pas mal sur tout ce qui est les processeurs de paiement, exécution au sein des blockchains. J'ai travaillé pour des ICO, je fais de la recherche de failles de sécurité, donc de l'audit de sécurité, de l'audit de conformité aussi. Là, le sujet dont je vais vous parler, c'est les state channels, et c'est une façon d'améliorer la rapidité de transaction des transactions au sein des blockchains, plus particulièrement au sein d'Ethereum. Donc, pourquoi ça? Parce que actuellement, Ethereum, donc je pense que tout le monde ici a plus ou moins entendu parler de ce qu'était une blockchain, donc je vais passer l'introduction. Ethereum et de manière générale la plupart des blockchains, quand on veut interagir avec une blockchain, on a deux manières. Soit on va la lire, soit on va écrire dessus. Donc le problème qu'on a, c'est évidemment pas la lire, le problème c'est écrire dessus. Quand on veut écrire dessus, on doit émettre une transaction. On doit faire en sorte que cette transaction soit incluse dans un bloc, que ce bloc ensuite soit propagé, etc. etc. Tout ce processus-là. Il induit nécessairement des frais pour pouvoir assurer la sécurité du réseau, de devoir être prise par ce qu'on appelle un mineur qui va le mettre dans un bloc, qui va encore prendre des frais. Tout ça, c'est pas très très pratique si on veut faire des transactions très rapides, comme par exemple Visa. Visa, c'est à peu près une cinquantaine de transactions par seconde, il me semble, alors que par exemple Ethereum, c'est 7-15 transactions par seconde. Donc, si on veut avoir quelque chose qui fonctionne bien et mondial comme les visas, par exemple, il nous faut quelque chose qui soit plus rapide. Donc là ici, j'ai mis en gris et en vert la plupart des éléments qu'on peut retrouver dans une transaction
C'est globalement, c'est les mêmes choses qu'on va retrouver sur un chèque. C'est-à-dire, on va retrouver un destinataire, on va retrouver un montant, on va retrouver une signature, un numéro de série, une date, etc., etc. Sauf que là, il n'y a pas de date, par contre. Mais les plus importants sont en vert, où on va trouver les données, les signatures, numéro de série, et c'est à peu près ça. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait une transaction maintenant. On va émettre une transaction, on va passer la transaction, elle va passer d'ordinateur en ordinateur jusqu'à arriver à un mineur. Ce mineur, lui, il va vérifier que la il va faire, il va vérifier in fine que la transaction peut bien être insérée dans un bloc, qu'il n'y ait pas eu de grabuge entre-temps, qu'il n'y ait pas eu d'autres blocs qui a fait que la transaction est invalide, etc. Donc ça pose un problème dans le sens où quand on est à 7-15 transactions par seconde, quand on veut par exemple avoir des jeux, je ne sais pas si vous avez entendu par exemple de CryptoKitty. CryptoKitty, c'était un jeu sur la blockchain Ethereum qui permettait de faire un échange de chats, où chaque chat était unique et où chaque personne pouvait donner une valeur à son chat. Ça a fait un buzz viral. Et le problème, c'est que ça a aussi causé pas mal de problèmes sur le réseau Ethereum, qui était utilisé à la fois pour échanger des fonds et pour échanger des chats. Donc ici, ce qu'on peut voir, alors ce graphe représente le prix d'une transaction sur le réseau Ethereum de mai 2017 à mai 2018. Et ici, ce qu'on peut voir en décembre de 2017, c'est la sortie de CryptoKitties sur le réseau Ethereum. Donc on peut voir qu'il y a eu une brusque augmentation du prix. Et dans les faits, cette augmentation du prix fait que les transactions qu'on émet vont prendre plus de temps aussi à être confirmées. Donc ce n'est pas uniquement des frais qui sont problématiques. Et pour le reste d'Ethereum, il y a aussi les dApps de manière générale. C'est ça où on va avoir par exemple comme CryptoKitties, on va avoir des applications qui sont décentralisées, où on va avoir des échanges de chats. Et des ICO, qui sont là aussi ce qui fait pas mal de publicité pour les blockchains en ce moment, où ça va être des levées de fonds, donc des échanges de monnaie. Et ensuite, le sharding, j'en parlerai plus tard, mais c'est une autre façon d'accélérer le temps de transaction et le temps de transaction, la vitesse de transaction, pardon. Donc, qu'est-ce que les state channels? Les state channels, c'est tout simplement des transactions qu'on va effectuer qui seront en dehors de la blockchain, dont on peut s'assurer que l'émission d'une transaction, je vais plutôt parler de message ici, que l'émission d'un message permet d'être inclus dans la blockchain à n'importe quel moment. Pourquoi ça? Parce que ça permet une bande passante élevée. Si plutôt que devoir passer un message, vous le devez le passer à un ordinateur, puis un autre, puis un autre, puis un autre, alors qu'en fait, vous avez déjà, vous avez votre serveur, je ne sais pas, dans votre data center, qui lui va pouvoir traiter les messages. Vous avez une bien meilleure bande passante, donc vous êtes en dehors, vous explosez les 7-15 transactions par seconde, les 50 transactions par seconde de Visa. Vous allez en général plutôt avoir des problèmes au niveau de l'exécution de votre programme et de la signature au niveau de chaque endpoint, enfin de chaque fin, on va dire, de chaque terminaison de la personne qui va émettre le message. Donc ça, c'est un passage de message en state channel. Je fais un peu le parallèle avec le passage de transaction, parce qu'au final, on renvoie un peu les mêmes données. C'est-à-dire, enfin, j'entends pas données ici, mais par données, j'entends signature, numéro de série, etc., etc. Tout ce qui fait vraiment l'intérêt d'une transaction et d'un message entre chaque personne qui va recevoir ce message. Donc ici, on peut voir comment fonctionne en state channel l'exécution d'un programme. Donc on va plutôt parler de dApp, mais qui va utiliser en partie un serveur privé. Donc on n'est plus tout à fait sur une blockchain publique. Mais à n'importe quel moment, on va pouvoir avoir les données, la signature et le numéro de série, qui va pouvoir nous permettre de vérifier que le message n'a pas été envoyé en double, ou on n'a pas fait de bêtises avec, ce genre de choses. Ensuite, donc tout ça, c'est à peu près au niveau de. C'est encore à l'état de recherche. Vous avez peut-être déjà entendu parler des frameworks comme Lightning Network ou Raiden Network, qui sont des mécanismes de state channel, où on parle plus de payment channel, pour envoyer des fonds avec plusieurs acteurs dedans, où là, il va y avoir des systèmes de canaux qui vont être mis en place pour pouvoir faire des échanges de valeur entre différentes personnes de manière automatique. Et donc là, en général, on va plutôt avoir besoin
Ah, je l'ai pas mis sur cette slide de, ah bah si, de là. De routeurs en fait qui vont permettre de d'échanger les messages entre les différentes parties, d'avoir des mécanismes d'accord, etc. Donc ensuite, je vais vous donner deux exemples de state channel, comme ça ce sera un peu plus parlant que juste échanger des messages rapidement. Donc un exemple tout simple, donc ce dont je viens de parler, c'est les payment channel. Donc les payment channel, ça va être, on va juste avoir besoin d'échanger de la valeur. Donc dans les faits, comment ça se passe? On va avoir un smart contract qui est un programme auquel on envoie des fonds. Et ensuite, ce programme, en fait, qui est donc sur la blockchain, va régir en fait l'échange de messages. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir Vitalik Buterin, qui est un fan des alpacas. Il est réellement fan d'alpacas. Et Alain, qui est un dresseur d'alpacas. Et tout ce que va faire Vitalik, c'est qu'il va tout simplement tipper en fait il va tipper le dresseur d'alpaca pour chaque tour que fait l'alpaca. Donc, imaginons qu'on veut envoyer, je sais pas moi, là ici, on a quatre transactions. Et on veut envoyer. Vitalik a donc mis 5 Ethers, donc il a bloqué 5 Ethers dans le programme, qui va autoriser oui ou non le passage des messages. Et à chaque message que Vitalik va émettre, donc par exemple, il va émettre un message qui dit ben voilà, je donne un Ether à Alain. Dedans, je vais mettre, je sais pas, je vais mettre dans les données le nom de l'alpaca. Je vais mettre la valeur des Ethers que je vais donner, ainsi qu'un numéro de série. Le numéro de série, ici, c'est le temps, tout simplement. C'est-à-dire que un message 1, si j'envoie un message dont la numérotation est 1, etc., je ne pourrais pas envoyer un message dont la numérotation est 0, et ainsi de suite. Donc on a vraiment une continuité. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça permet à la fin de permettre à Alain de récupérer ses Ethers qui sont bloqués dans le smart contract en utilisant le dernier message que Vitalik a envoyé. C'est-à-dire que ici, si Vitalik envoie trois messages, par exemple le premier disant j'envoie un Ether, puis deux Ethers, puis trois Ethers, Alain, s'il le souhaite, il pourrait très bien prendre les deux Ethers. Il n'a aucun intérêt, le seul intérêt qu'il a, c'est prendre le message à 3 Ethers, donc le dernier, et l'envoyer sur la blockchain. Automatiquement, le programme, donc le smart contract qui est sur la blockchain, va débloquer les fonds en vérifiant que les fonds initialement déposés étaient bien valides, que il n'y a pas eu un autre message de Vitalik qui a envoyé un autre message pour débloquer des fonds, etc., etc. Donc ça, c'est un peu la vue rapide des payment channels. Et une version un peu plus compliquée qui est de l'exécution. Ici, on a uniquement de l'échange de valeur. Quelque chose de plus intéressant, c'est qu'on est quand même dans des programmes. Donc, si on peut avoir par exemple des jeux, comme par exemple CryptoKitty, qui utilisent directement la blockchain, ils utilisent des systèmes externes. Par exemple, ils auraient pu utiliser leur propre serveur. Ou leur propre serveur qui contenait toute leur logique de gestion des messages et d'échange de valeurs, etc., etc. Plutôt que devoir passer par la blockchain, demander à tout le monde de payer des fonds, de payer ensuite de bloquer le réseau, etc., etc. Donc là, ce que je vous montre, c'est un petit jeu, un petit projet que j'avais fait pour petit projet de recherche. Donc le principe, c'était jouer au morpion. Donc le morpion, tout le monde connaît. Pourquoi le morpion? Parce que c'est un jeu simple, c'est-à-dire qu'on c'est un jeu sur tableau, enfin, sur tableau pardon, sur plateau, qui n'a pas besoin de cacher quoi que ce soit, par exemple comme le jeu du toucher-coulé. Mais on a des règles simples, c'est-à-dire qu'à chaque tour, on va cocher une croix et on n'a pas besoin de savoir qui coche la croix parce que ça, c'est inféré par la signature du message qu'on envoie. Donc par exemple, si je suis cette fois-ci Alain. Je vais demander à mon serveur une nouvelle board de jeu. Donc cette board, ça va être représentée par l'état. Ici, on peut voir c'est une board de jeu vide. Et cette board de jeu est signée. C'est-à-dire qu'il y a une autorité centrale qui est définie dans le contrat, qui dit que le jeu est bien OK. Donc derrière, il y a tout un système de règles qui vérifie que telle personne peut bien émettre un tel jeu, etc. Ensuite, on va voir l'état du jeu, qui lui évolue au cours du temps. Avec à chaque fois une fonction qui est appliquée. Donc le contenu des données des messages est tout simplement la fonction je mets une marque à tel emplacement. Et ensuite on détermine, donc on infère qui a joué, donc si c'est le joueur 1 ou le joueur 2, en fonction de la signature, parce que là encore, on a utilisé un programme qui permet de définir qui est le joueur 1, qui est le joueur 2.
Derrière, pour faire de la transition de passage, on va avoir des mécanismes de multisignature. Une multisignature, c'est quelque chose qui permet de débloquer des fonds, débloquer des débloquer quelque chose, débloquer n'importe quoi. On parle de consensus pour on peut parler de consensus pour ça. Et c'est à peu près tout sur le sur les comment ça s'appelle, sur l'exécution. Donc ça permet de tout simplement d'avoir un petit exemple de qu'est-ce qu'on peut faire pour exécuter des programmes. Ensuite, donc ça c'est encore à l'état de recherche. Il y a d'autres projets comme par exemple MicroRaiden ou Raiden. Il me semble que les Raiden et L4 Venture travaillent sur le fait de pouvoir avoir ça, ce type de mécanisme, c'est-à-dire faire des transactions en dehors de la blockchain, sans avoir besoin, par exemple, d'utiliser des serveurs tierces ou alors de laisser ça à la définition de l'emplacement. Et je vais voir si vous n'avez pas des questions. Je mets un petit point final parce que j'ai peut-être fait un deep dive un peu trop rapide. Et il me reste 2 minutes pour des questions. Donc si vous avez quelques questions, rapidement. Alain, lui, dans l'histoire, c'est un dresseur d'alpaca. Tout ce qu'il fait, c'est retirer de l'argent. Il y a un exemple très simple. Il y a d'autres gens qui font ça, qui s'appellent Spring Chain. L'exemple, c'est l'industrie pour adultes, où on doit tipper en fait des performeurs. Et le principe, en fait, c'est qu'on va prendre des fonds, on va les bloquer dans un contrat. Et en fait, ce contrat va permettre de débiter en fait des fonds à partir de ça. Et plutôt que de devoir, à chaque fois qu'on débite, on va envoyer un message sur la blockchain, on fait ça en dehors. C'est l'intérêt de ça. Bah, il va émettre un message qui va dire 10, il va signer un message qui va dire 10, et quand Alain va recevoir son message, il va dire bah non, ça sert à rien. Parce que le smart contract permet de vérifier si l'intégrité de ton message. Quand Vitalik bloque les 5 Ethers dedans, derrière le smart contract, ça va être juste un set de. C'est comme on parle de side channel dans le sens où tu vas pouvoir vérifier si tu peux passer d'un état à un autre. Donc quand tu vas recevoir ton message qui dit bah, je te débloque 10 Ethers, le programme va tout simplement faire une lecture sur la blockchain en regardant combien Vitalik a bloqué à ce moment-là, et tout simplement on va dire non. Il faut qu'il fasse une qui corresponde aux règles du jeu. Donc là ici, il faut qu'il y ait moins. De la même manière que ici, si tu donnes, par exemple, si tu mets put 0,0 et que derrière Vitalik met put 0,0, l'état de chaque participant fait que quand tu vas recevoir le message, tu vas dire bah non, c'est du garbage, c'est pas un message valide. De rien. Merci beaucoup. C'est bon, on m'entend? C'est sûr, on m'entend là? Ok. Bonjour tout le monde. Donc, moi aujourd'hui, je suis là pour vous parler du débugger JavaScript. Donc d'abord, je vais faire une petite présentation. Donc, je m'appelle Loïc Bourg. Donc, je suis développeur et actuellement, je travaille à IT Network. Donc, c'est une petite SS2I à Clermont avec le siège qui se basait à Paris. Donc, la première question qui va se poser en général sur un débugger JavaScript, c'est pourquoi? Pourquoi utiliser un débugger alors que je me débrouille très bien avec mon console.log ou mon alerte? En général, ça n'y a pas de souci. C'est vrai, ça marche bien. Seulement, il y a certains cas où on est vite limité. Par exemple, c'est quand vous allez avoir des opérations sur le DOM et que vous voulez vérifier à un instant T quel est l'état du DOM, juste avant un appel de fonction ou juste après. Avec un console.log, ça vous allez beaucoup de mal. Même si vous faites un console.log d'un élément, vous n'allez pas forcément l'avoir à l'instant où il était. Donc,
sur le même principe, quand vous avez commencé à avoir beaucoup de variables dans votre fonction ou dans le scope des autres fonctions, un console.log va être problématique, surtout si c'est compliqué de se retrouver dans cet état. Avec le debugger, vous allez pouvoir stopper l'instant comme vous le voulez et pouvoir utiliser ces variables pour avoir une espèce de sandbox pour pouvoir utiliser comme vous le voulez. Ensuite, la deuxième question, ça va être, vous dites, oh là, c'est du JavaScript, donc concrètement, il faut que j'installe Node, ensuite, il faut que j'installe Yarn ou NPM, je ne sais plus, après, il y a Webpack, ou il y a Parcel, ou il y a d'autres trucs aussi qui existent, donc ça va être horrible, ça va encore avoir un autre module de 130 mégas. Non, en fait, pas du tout. La seule chose dont vous avez besoin pour utiliser le debugger dès aujourd'hui, c'est un éditeur de texte, un navigateur, et un clavier pour taper debugger. Donc c'est une instruction qui est présente directement dans le langage depuis assez longtemps et qui est prise en charge par tous les navigateurs récents. Pour ça, j'ai fait plusieurs exemples pour vous montrer un peu comment ça fonctionne et quel est l'intérêt de ce petit outil-là. Alors, où est-ce que c'est? Alors, allons-y. Donc là, ici, on a un fichier HTML. Donc là, vraiment un fichier HTML classique de chez classique, donc avec un Hello World. Et ici, on voit une petite balise script à la fin, avec une variable Hello, et ensuite Hello.repeat 3, donc la fonction repeat qui répète trois fois la valeur Hello. Donc ici, j'ai debugger. Donc ce que je vais faire, je sauvegarde. Et hop, de ce côté-là, je fais F5 et hop, là, je suis passé en phase de debug. Et donc, ça m'a automatiquement mis sur l'onglet source. Donc ici, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. La première, c'est que en passant au-dessus, on va pouvoir voir qu'il y a la valeur qui est indiquée. Et également, ici à droite, il y a plein de choses intéressantes. Et donc là, notamment, tout ce qui est présent dans le scope global. Notamment mes deux variables. En effet, vu qu'elles sont dans un script à la racine, c'est le variable, c'est le C2C en global. Ensuite, deuxième petit exemple. Donc là, ici, à peu près même principe, on a un fichier HTML assez classique. Sauf que donc on a un titre et on a world, et ici on a un span avec un identifiant qui s'appelle hello. Donc, hop. Et donc si je vais sur le main.js, donc on voit normalement c'est censé mettre hello dans celui qui a l'identifiant hello. Okay. Donc sauf que là, ce qu'on voit, c'est que ça affiche pas hello, ça affiche west. Donc on a un problème quelque part. Pour le trouver, déjà pour voir si c'est bien à ce moment-là que ça le fait, je peux mettre comme ça deux éléments de debugger. Donc là, je recharge. Donc je suis bloqué ici. Premier point d'arrêt, vous voyez ici. Donc on voit ici que le DOM n'a pas été modifié, donc on voit qu'il n'y a que le world. Donc je continue. Et ici, je suis juste après. Et on peut voir que dans le DOM, j'ai West qui a été mis et non pas Hello. Donc on a en effet un problème. Et donc si je passe au-dessus, je me rends compte que la variable, en fait, elle a comme valeur West, alors que celle-là, elle est Hello. Et en fait, si on regarde plus attentivement, on se rend compte qu'il y a un accent circonflexe sur le haut. Donc, c'est le genre de petites erreurs qui sont un peu compliquées à trouver, mais grâce au debugger, finalement, ça permet de s'y retrouver plus facilement. Autre exemple. Là, donc ensuite, là, donc on est sur un. On est sur un autre exemple. Donc ici, on a exactement la même chose. La différence, ici, on a encore notre main.js et on a notre utils.js bon, qui est un peu gros, hein, donc 3 800 lignes. Suivant les projets où vous êtes, si vous êtes développeur, ça peut vous rappeler des cauchemars.
Donc là, on se dit, ah bah attends, ça je connais. Donc là, je mets mon petit debugger. Et puis on va se rendre compte que c'est encore un problème sur la variable. Sauf qu'en fait, là, je me rends compte que juste après cette exécution de code, ici, on le voit, là, j'ai toujours hello. Donc le problème est ailleurs. Parce que si je continue, on voit qu'il y a Jurassic. Et le problème, c'est que j'ai pas super envie d'aller regarder les 3800 lignes de util.js. Bon, parce que j'ai pas que ça à faire. Donc il y a un autre élément qui est pratique dans hop, un élément qui est pratique, c'est les points d'arrêt directement sur le DOM. Donc vous pouvez définir directement depuis votre navigateur des points d'arrêt sur des événements. Donc ici, pour ceux qui ne voient pas, je fais clic droit sur un nœud et je fais clic sur Substream Modifications. Donc ça veut dire que je vais avoir un point d'arrêt dès que dès qu'il y a une modification sur mon titre. Hop. Donc là, on voit le premier point d'arrêt. Donc là, j'utilise jQuery. Donc ça fait peur. On a plein de jQuery.js. Mais pas de panique. Grâce au call stack, on peut voir toutes les fonctions qui ont été appelées, qui ont fait que je retrouve ici, qui est ce code-là qui va modifier le DOM. Donc je vais sur mon main.js, là ici je clique, et donc on peut voir ici que là c'est bien changé. Donc là c'est normal. Donc on fait suivant. Et là, donc là c'est le debugger, notre point d'arrêt de tout à l'heure. On continue. Et là, on voit qu'il y a un autre point d'arrêt. On commence à trouver quel est l'endroit où il y a le problème. Et en cliquant ici, on se rend compte que l'erreur est directement dans le fichier utils, ici, ligne 3317. Donc ça m'a permis d'économiser pas mal de temps sur trouver la source du problème. Alors, ensuite. Là, donc quatrième exemple, en plus des points d'arrêt sur le DOM, on peut également avoir des points d'arrêt sur les événements, donc sur tous les listeners qui sont actuellement présents sur votre application, les listeners JavaScript. Donc en JavaScript, il y a plein d'événements. Donc par exemple ici, on a un bouton, quand on clique dessus, ça met une alerte. Okay. Si, imaginons donc encore sur le même principe que on a des fichiers de partout, on ne sait pas trop ce qui se passe, ou simplement on n'a pas envie de fouiller et trouver assez rapidement qu'est-ce qui fait ça, je peux aller dans Source et ici aller dans Event Listener Breakpoints. Donc ensuite on va dans Mouse pour les événements sur le mouse parce qu'a priori c'est un événement sur le clic. Quand je clique, ça fait quelque chose. Donc là, je clique dessus. Donc là, ça, c'est prêt. Ensuite, on appuie. Et là, j'ai mon point d'arrêt. J'ai mon point d'arrêt et on peut voir en effet que la fonction ici se registre sur le bouton. Et dès que et on peut donc continuer. Et on a l'alerte. Voilà. Ensuite. Dernier petit exemple, qui là est un peu plus complexe, pour pouvoir montrer les possibilités. On a une calculatrice. On m'a dit, elle ne marche pas bien. On va faire un petit test. 5 plus 5. Puis sur le égal. 5 plus 5, 55. Bon, je ne suis pas bon en maths. Oui, 5 plus 5, ça ne fait pas 55. Alors, on va regarder ce qui se passe dans cette appli. Comme on l'a vu tout à l'heure, on va là aller dans les événements. Là, on est plutôt sur la soumission d'un formulaire. Donc, on va submit. On va aller égoutter sur le submit et appuyer sur notre petit bouton égal. Et là, on se retrouve sur la fonction add qui écoute sur le submit. En plus du résumé, il y a plusieurs boutons ici, vous pouvez voir. Un bouton pratique, c'est le step over.
Donc, le stopover, ça va vous permettre d'aller sur le prochain appel de fonction. Donc, là, si j'appuie, donc là, c'est event.prevent default. Ça permet de ne pas soumettre le formulaire, donc à annuler l'action par défaut de soumission du formulaire. Ensuite, on voit sur le prochain, au niveau du nom de la fonction, ça nous paraît assez clair que si un des inputs est empty, ça fait, est vide, ça fait rien. C'est pas celle-là qui nous intéresse. Et ensuite, là, on a compute result. Celle-là, elle a l'air de peut-être plutôt intéressante. Donc, au lieu de faire un step over, on va faire step into. Ça veut dire que là, on va aller à l'intérieur de ce qui se passe de cette fonction. Là, on est à l'intérieur. On fait un petit step over. Ici, vous pouvez voir sur la droite que dans le scope, la valeur 1 a été mise. Step over, deuxième fois. On peut voir que la valeur 2 a été mise. Et là, on commence à se dire qu'il y a potentiellement en effet un problème puisque c'est entre quotes. Ça serait pas des strings par hasard. Donc ici, il y a quelque chose d'assez pratique, c'est les watch. Il est déjà. Donc, je vais le remettre. Les watch qui me permettent de mettre n'importe quelle expression JavaScript et de pouvoir voir en continu ce qui se passe. Donc là, je vois en effet que value 1, c'est un type of de string. Là, si je vais dans la console, quelque chose d'assez pratique, c'est que tout le contexte de cette fonction est présent directement dans la console. Si je clique sur console et que je fais value 1 plus value 2, on a bien 55. Et là, vous pouvez commencer à réfléchir à votre fixe. Toujours sans toucher à votre IDE. Là, vous êtes encore dans votre, votre navigateur. Hop. Donc là, on n'oublie pas de mettre la base pour les erreurs. Hop. Et là, on voit que c'est mieux. Donc maintenant, vous pouvez faire le fixe dans votre code et ensuite, voilà, donc ça vous permet de plus facilement trouver les problèmes qui sont plus chiants à trouver avec un console.log. Voilà, donc Debugger, c'est sympa, c'est vraiment pratique. Je vous conseille vraiment de l'utiliser. Je dis pas qu'il faut l'utiliser tout le temps, c'est un outil qui est situationnel. Mais dans certaines situations où vous connaissez pas bien la base de code, où il y a beaucoup de variables, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure, pensez-y, ça sauve vraiment beaucoup de temps. Voilà. Et si vous avez des questions, il reste 2 minutes. Bah alors là, sur TypeScript, ce qui va être important pour pouvoir avoir quelque chose de lisible, ça va être de travailler avec les source maps. Ça veut dire, donc les source maps, c'est un fichier qui va indiquer telle ligne de JavaScript correspond à telle ligne de TypeScript. À partir du moment où on a le source map qui fonctionne, toutes les breakpoints, tout ça, vont directement mapper au bon endroit du fichier TypeScript dans le navigateur. Donc si vous avez du Webpack, etc., il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Sur Visual Studio Code, par exemple, c'est celui que je connais, c'est possible d'intégrer le débuggeur JavaScript directement dans son IDE. Et donc d'avoir, comme si on était en train de faire du débuggeur côté back, tout la call stack, le scope, mettre carrément le point d'arrêt en cliquant sur la ligne, etc. C'est possible aussi, à partir du navigateur, de mettre le point d'arrêt en cliquant, mais c'est libre à chacun de faire comme il veut.
BenQ. Alors, ça fait voir. Aucun signal. Bon, bah c'est bien. Alors, l'adaptateur de l'adaptateur de l'adaptateur. Attends. Moi j'ai un adaptateur vers USB-C HDMI. Et là il y a un adaptateur HDMI vers VGA qui donne le câble, mais ça donne strictement rien. Il ne trouve pas ? Non, il ne trouve pas. Il n'a pas trouvé de moniteur. C'est ça. Hop. Merci. Ah. C'est-à-dire quoi ? Pas sûr que ça va marcher. Ça ressemble. Ça ressemble à un adaptateur VGA. Là, tu nous sauves, sauf si... Oh, 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 oh. Comment on fait pour faire disposition, couper, recopie vidéo, par pitié, non, pas recopie vidéo. Là, tu... On débrouille. Hop. Veuillez patienter. On a mis là. Hop. Fin des attentes techniques, donc on peut commencer. Là c'est bon. Ok. Juste pour savoir dans la salle combien de personnes ont déjà géré du multiprocess ou de l'asynchrone, des promesses, des events, du callback. Ça s'est passé comment quand le processus il devenait un peu difficile? Pas j'appelle la promesse et j'ai un then et j'ai juste une erreur, mais quand j'ai 6 then d'affilée par exemple qui se suivent, ça s'est bien passé pour vous? Parce que pour moi ça a été des belles galères. Hein. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de la logique de Reactivis. Là je vais vous faire un petit exemple. C'est un live coding, donc l'effet Bonaldi normalement s'applique toujours. Mais c'est un petit exemple qui va vous permettre de voir ce que c'est qu'un observable. Un observable, c'est quelque chose qui émet, et quand il n'a plus rien à émettre, ça s'arrête. Donc par exemple, là j'ai fait une raccourcie pour éviter de faire une crampe au clavier et taper suffisamment vite. J'ai dit que rx.observable, c'était $. Puis ça me rappelle un peu le PHP. Donc par exemple, pour faire un observable basique, un $of5, par exemple, va émettre à la fonte du code un peu plus haut, grosse. Alors attends, fais voir si je réussis à faire quelque chose comme ça. Ça va? C'est mon max. Donc là, $of5, ce que ça a fait, c'est que ça a émis 5 et ça s'est arrêté. La barre verticale, ça s'est arrêté. Si j'aurais pu envoyer directement quelque chose de vide, $empty, ça m'a envoyé une barre verticale, ça s'est arrêté. J'aurais pu envoyer un observable depuis, par exemple, un tableau. Et c'est compliqué. Ça m'a envoyé les trois éléments directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un premier exemple, par exemple, d'un générateur de nombres aléatoires. Math.random. Là, j'ai un magnifique nombre aléatoire illisible. Donc un observable, ça va me renvoyer une valeur, mais surtout, cette variable-là, c'est elle-même un observable. Donc ça va me permettre de chaîner plein de belles choses. Par exemple, là, je sais que j'ai un nombre qui va de 0 à 1, donc c'est un entier. Je vais multiplier par 10, histoire de pouvoir lire. Et puis pour vraiment améliorer la lecture, je vais l'arrondir. Là, c'est du sucre syntaxique. La vraie syntaxe, c'était i, fataro, mat.round de i, mais c'était plus simple de taper comme ça. Donc là, j'ai envoyé un nombre 7. Le nombre 7 est passé ici, il a été multiplié par 10, il a été arrondi. Je suis content, j'ai mon générateur de nombres aléatoires. Si je retape, je vais avoir un autre nombre qui va varier à chaque fois.
Donc ce nombre, par exemple, disons que je voudrais le transformer en séquence et avoir une séquence d'observables. C'est-à-dire je voudrais avoir toutes les secondes, j'aimerais bien avoir un nouveau nombre aléatoire. Donc là, ce que je vais taper, c'est delay 1000, c'est des opérateurs d'observables qui peuvent être mis sur n'importe quoi, et dire que quand on complète, eh ben, même joueur joue encore. Donc j'attends une seconde, j'ai un 4, j'ai un 4, j'ai un 4. Maintenant, ça ne me va pas. J'ai la même chaîne d'observables, donc elle se répète. C'est assez logique en même temps, parce que je lui ai dit la valeur math.random. Donc il a généré une fois, et après il a répété. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un observable from scratch qui, chaque fois, va générer une nouvelle variable. Donc là, c'est un observable, vous pouvez le faire à partir de n'importe quel type. Vous pouvez le faire à partir d'une fonction, vous pouvez envoyer les informations que vous voyez. Donc un observable, qu'est-ce que c'est? C'est une closure qui reçoit un observeur en paramètre et qui peut, on va faire ça propre, qui peut envoyer à cet observeur trois méthodes. La première, observer.next de math.random. Là, si je fais ça, j'ai bien un 2, mais comme vous voyez, la chaîne continue et j'ai pas de nouveau un 2. Pourquoi? Parce que j'ai pas dit à mon observeur de se compléter. Donc j'ai pas eu ma barre verticale, donc il est jamais arrivé à la fin, donc il ne s'est pas répété. Donc je vais pouvoir dire observer.complete. Si je fais ça, je vais envoyer un nombre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai expliqué à mon observeur complète. J'avais une autre possibilité, les trois possibilités d'un observeur, c'est d'envoyer une erreur. Là, si j'envoie une erreur, ah, bah direct, tout s'est arrêté. Si j'avais envoyé, si je l'avais mis après le onNext, j'aurais eu le même principe. Tout serait arrêté. Donc là, je l'ai fait de façon à ce que vous puissiez voir comment se fait un observable. Depuis le début, sans plus d'informations. Mais j'aurais pu aussi utiliser une syntaxe plus simple. Attendez. J'aurais pu faire une syntaxe plus simple. J'aurais pu faire $.offMath.random. .subscribe observer. Ça me fait exactement le même travail. Sauf que si je mets pas de parenthèse, ça marche moins bien. Donc là, j'ai exactement la même chose. C'est les deux façons d'appeler la même chose. Maintenant, je vous ai généré une erreur un peu aléatoire, un peu stupide. Ce que je vais faire, c'est faire que si jamais, on va dire que si c'est inférieur à 5, on va envoyer une erreur. Donc là, je vais utiliser un opérateur qui s'appelle flatmap, qui me permet de choisir, donc je reçois bien l'entier, et je vais choisir selon la valeur, ce que j'envoie. Donc par exemple, si c'est inférieur à simple, je vais pouvoir envoyer une erreur. C'est donc mon flux d'entiers et de nombres aléatoires va être remplacé par une erreur. Et si jamais c'est un autre cas, je vais renvoyer le nombre comme s'il rien ne se passait. Donc là, il va me générer un nombre, deux nombres, ah, et il va générer une erreur. Donc j'ai généré une erreur. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais faire? Ben, j'ai plein de possibilités grâce toujours à mes opérateurs observables. Je peux faire un retry. Un retry, je peux mettre un nombre de retry, mais il peut être infini. Et là, ça veut dire qu'il n'a pas eu, il a froué, mais il a réessayé plein de fois pour essayer de le régler. Là, vous ne le voyez pas, mais je peux vous le faire voir. Grâce aux observables, vous avez moyen de faire du debug. Assez simplement. Par exemple, là, vous avez toute une chaîne qui commence à faire une certaine taille. Vous voulez savoir quelle était la valeur initiale qui était envoyée. Ben là, vous pouvez mettre un opérateur qui fait un side effect, c'est-à-dire qui ne modifie rien, mais il reçoit la valeur. Donc, typiquement, je reçois ici
le nombre aléatoire. Je suis content, c'est ce que je voulais. Je vais mettre avant le retry, juste pour voir. Et là, vous voyez, des fois, j'ai 4 nombres qui ont été rentrés, le 4, puis 6, c'était bon, 7, le 5, 5. Donc, ça m'a fait l'erreur. Ça m'a géré l'erreur. Le retry, il peut être, ben, par exemple, un retry incrémental. Je peux dire que gérer l'erreur et gérer de façon particulière. Par exemple, je veux me dire, je vais essayer de réessayer, mais je suis sur une requête HTTP, j'ai pas envie de bourriner le serveur en face, je vais faire un essai en mettant un délai. Donc en fait, j'ai un opérateur retry-when qui me renvoie lui-même un observable, et cet opérateur, je peux lui mettre réessaye, mais avec un délai. Si je fais ça, ça veut dire qu'il va réessayer tous les X avec un certain délai. Donc là, je l'envoie 5, 6, 7, 8. Et en fait, vous voyez, il y a des petits espaces. C'est les moments où il a débugué, où il a cherché à faire les retry. Donc, des opérateurs comme ça, il y en a beaucoup. Et je ne sais pas vous, mais déjà, rien qu'un retry when sur une promesse, sur un appel HTTP, ça peut être vraiment pratique et éviter pas mal de try catch, pas mal de gestion d'erreurs, pas mal de choses comme ça. J'aurais pu faire aussi quelque chose de plus stupide, c'est faire un catch. L'opérateur est possible, je reçois l'erreur, et me dire que quand j'ai cette erreur, j'envoie un petit parce que j'ai rien de plus à envoyer. Là, ça m'a renvoyé l'erreur. J'aurais pu envoyer 1, par exemple. Forcer 1 aléatoire. Donc là, quand il y a une erreur, il m'envoie 1. Donc ça, c'est tout ce que je peux faire avec un observable. Et ce qui est génial, c'est que ce soit un élément, 1000 éléments, 1 million d'éléments qui passent, le code est le même. C'est-à-dire que dans ma séquence d'observables, ici j'ai créé un observable from scratch, mais imaginez, ça peut être votre serveur HTTP qui vous envoie des requêtes. Quel processus vous faites derrière le serveur HTTP? Ça peut être tout processus qui est bourrin. Bah, le code va être le même qu'il y ait une requête ou qu'il y ait 1 million de requêtes. Et ce qui est sympa, pour aller plus loin, parce que les opérateurs, il y en a beaucoup. Hein, je peux vous faire grouper, par exemple, grouper les nombres pairs, les nombres impairs. Je vais réussir. Je vais enlever mon erreur si jamais ça plante. Donc là, par exemple, je vais avoir un flux de nombres pairs, un flux de nombres impairs sur lequel je vais pouvoir travailler derrière. Les opérateurs, il y en a vraiment une quantité, donc on n'est pas obligé de tous les voir. Je vais vous montrer, il y a un truc qui est très sympa, c'est qu'un flux d'observables, c'est pas comme une promesse, c'est pas terminé. On peut multiplier les flux d'observables et les séquencer les uns entre les autres. Donc par exemple, là c'est parfaitement lisible. Par exemple, là j'ai mon flux d'observables, c'est exactement le même sur lequel on était tout à l'heure. J'ai un autre flux d'observables qui va être par exemple un intervalle. C'est-à-dire toutes les 200 millisecondes, émet quelque chose. Là, je vais faire émettre le signe $. Et je vais en prendre que 5. L'opérateur take permet de limiter. J'ai pareil un observable de letter. Quand je termine par $, c'est qu'il y a un observable. Et je veux qu'il émette. Ben, là, ce que je vais faire un flux qui va prendre les données envoyées par le flux de nombre aléatoire, les lettres, et mon intervalle qui envoie $. Et qui va les concaténer. Donc là, si je lance ça, ce que je vais avoir, c'est je vais avoir 1A$, 3B$. Je vais avoir les différents observables qui ont été fusionnés. J'aurais pu envoyer faire un merge. Et faire, si je fais un merge, ça veut dire que les lettres et les chiffres sont envoyés en même temps. Les lettres d'abord, on les voit ici, A, B, C, D, E. Et là, les nombres aléatoires. J'aurais pu attendre que toutes les nombres aléatoires sont générés avant de commencer à émettre les lettres. Ça m'aurait fait le même principe, ça va être 5, ça m'aurait fait générer 5 nombres, et une fois que c'est terminé, ça m'a généré les lettres. J'ai plein de possibilités pour chaîner les observables les uns entre les autres. Le dernier point avant d'arriver sur des questions, c'est que
De l'autre côté, sur la petite page web qui permettait d'afficher, c'était mignon, il y avait le subscribe qui était fait par défaut, mais en fait, un observable, si je ne m'abonne pas dessus, il n'émet rien. Donc par exemple, là, j'arrête mon abonnement, et ben mon code s'est bien rechargé, mais rien ne s'est passé. Tant que je ne me suis pas abonné à un observable, il n'existe pas. Et c'est possible d'avoir bien sûr plusieurs observeurs qui s'abonnent, plusieurs choses là-dessus. C'est tout pour moi, il y a 2 minutes pour des questions. C'est quand qu'on boit? Ben, par exemple, moi, je l'ai utilisé, li lire un fichier, l'envoyer sur une base de données. Et ben, tu prends un fichier, le stream, chaque ligne, c'est une séquence d'observables. Donc, chaque ligne, tu la prends, tu l'envoies vers un opérateur qui l'envoie vers un insert MySQL, par exemple. L'insert MySQL, c'est une promesse, donc ça peut devenir un observable. Donc, tu peux te retrouver à faire en 3 lignes, lire un fichier, l'envoyer sur la base de données en live. Et si jamais tu te dis que tu vas trop vite, tu peux même rajouter avec un petit opérateur et contrôler pour envoyer que 4 par 4 ou 5 par 5 ou 6 par 6. Donc en fait, c'est super puissant. Dès que tu commences à avoir des promesses, ça marche aussi avec du multithread. C'est complètement agnostique sur la gestion du multiprocess. Mais dès que tu commences à avoir des cas métiers compliqués, ça simplifie énormément la lisibilité du code. Puisqu'en fait, tu fusionnes des actions qui sont faites à droite à gauche et qui sont assez simples à lire, puisque chacune devient une séquence d'observables. Donc tu peux les fusionner, les regrouper. Ouais, Julien? C'est-à-dire, j'ai du mal à comprendre. Bien sûr, tu peux utiliser une fonction, tu peux utiliser un callback node, tu peux utiliser un event. Si vous voulez, attendez, je vais vous le faire parce qu'il est marrant, et puis après je vous laisse tranquille. Alors attendez, je tac. Je vais vous le faire par exemple, prendre un from event. Si vous voulez, on va le faire depuis un event DOM. Là, par exemple, je vais prendre un event DOM de la souris bouge. Ça marche depuis une promesse, ça marche depuis un autre callback, ça marche depuis une closure, ça marche depuis ce qu'on veut. Par exemple, là, je le fais sur un mouse move. Donc là, je bouge. Et donc, c'est les coordonnées de ma souris. Ici, j'ai mis un throttle. Le throttle, c'est, je vous l'enlève, vous allez voir tout de suite pourquoi, la raison. Là, si je le mets, j'ai trop de données. Donc le throttle, il me permet de dire, ok, je suis intéressé par les données, mais tu ne mets pas à jour les données avant les 500 millisecondes. Donc là, je peux bouger tant que je veux. Tant que je n'ai pas atteint 500 millisecondes, il ne va rien faire. Je peux me brancher sur un événement de frappe de clavier. Je peux me brancher sur ce que je veux et ensuite brancher ma séquence d'observables. Et qui sera la même, quelle que soit la source. Si la source est une promesse, si c'est une closure, si c'est un élément DOM, ça sera quand même une séquence d'observables, donc ça est complètement agnostique. Je réponds? Avec plaisir.